Welcome to the BizConnect show, where we discover businesses in Africa and promote their integration into the new digital economy fueled by the internet. On today's episode, we shall shine the light on Wanja Idimo, who operates a large pineapple farm that sits on more than 300 hectares in Yaoundé. Go online, follow his website, Wanja Idimo at bridgeafrica.com, and buy some of his produce. Be inspired and enjoy today's show. La terre produit toutes choses et reçoit tout à nouveau. Adage populaire utilisé pour décrire comment les investissements agricoles pourraient être productifs. Bonsoir, chers entrepreneurs. Je m'appelle Monsieur Wanja Idi. Je fais dans l'agriculture, et principalement dans la production de l'ananas. Bon, avec ses dérivés. Dans la région de la Mofou et Afama et à Kono. Donc, nous avons des exploitations dans le bassin d'Hawaï et aussi en Fou et en Mengang où nous exerçons. Je fais exclusivement dans la production d'ananas dans la région de la Mofou et Afama. Et depuis pratiquement 6 ans, je fais dans ce domaine. Et quelles sont les raisons qui m'ont poussé à me retrouver dans la production d'ananas? C'est la rentabilité. Que ce domaine d'activité procure à son nom. Parce que non loin du fait que ce soit une activité qui est pérenne, qui dure dans le temps, dont le cycle va juste après ces 14 à 17 mois, mais c'est quand même une activité qui permet de nourrir son nom. Et du coup, là, je me suis lancé aussi parce que c'est quand même un domaine où, quand, non loin du fait que ça produit le fruit, mais il y a aussi d'autres avantages, à savoir les rejets, qui permettent aussi aux producteurs de s'en sortir. Ce qui fait que, et aussi une autre chose qui m'a motivé à faire dans l'ananas, c'est parce que c'est une culture dans laquelle il n'y a pas le don, le taux de risque est presque nul. Parce que quand tu plantes l'ananas et que tu as misé un capital, même si le champ n'a pas été bien suivi, même si le champ a été abandonné en brousse, tu vas récupérer ne serait-ce que ta mise initiale. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été motivé. Monsieur Wanja fait partie de ces agriculteurs camerounais qui cherchent à développer le secteur agricole, en particulier dans le domaine de la production d'ananas au Cameroun. Car il allie expertise et passion dans la gestion. J'ai démarré la culture d'ananas avec 10 000 pieds. Et franchement, ça n'a pas été facile parce que c'est une activité qui nécessite beaucoup d'argent et beaucoup de financement. Il faut traiter l'ananas sur une période de pratiquement 6 mois à 7 mois avant de passer à l'induction florale et pour attendre maintenant les fruits 5 mois après. Et pendant cette période-là, si vous avez une famille, ce n'est pas évident parce qu'il faut traiter l'ananas et puis il faut s'occuper maintenant de sa charge familiale. Et du coup, ce n'est pas évident. Il y a d'autres facteurs comme les aléas climatiques parce qu'ici, il pleut, la pluviométrie n'est pas stable. Et l'ananas n'aime pas aussi l'excès de soleil. Quand il fait excessivement chaud, ça grille les lames d'ananas comme vous voyez jaunies là. Et si tu es un jeune start-up qui est en train de démarrer, franchement, les coûts sont hyper élevés. À tel enseigne qu'à un moment donné, si tu blagues, tu risques seulement d'équilibrer charge et produit. Et pendant toutes ces périodes, ça n'a pas été facile, mais et Dieu a mis le PA Jeune sur mon chemin. J'ai rentré dans le PA Jeune en 2017 et qui m'a envoyé dans un centre d'incubation, en l'occurrence l'école pratique d'agriculture de Bingala, où je suis allé me perfectionner dans la culture de l'ananas. Et au finish, à la sortie, et le PA Jeune est venu nous installer. En nous faisant faire des superficies d'ananas, ce qui a essayé un peu de booster ma production. La filière ananas est l'une des filières qui est soutenue par le programme PEA Jeune. C'est vrai que la production d'ananas est une activité qu'on peut qualifier de cycle long, mais malgré la longueur de ce cycle-là, les jeunes sont de plus en plus intéressés et ont véritablement de l'engouement, particulièrement avec la réputation que prend l'ananas qui est cultivée à Hawaï, à Bafia ou bien dans le Mungo. Et c'est dans ce cadre que le jeune Wanja Idimo a été beaucoup plus intéressé et a été sélectionné pour intégrer le programme. Alors,
La stratégie du programme par rapport à ce type d'activité, c'est d'amener les jeunes à intégrer un marché à plus forte valeur ajoutée. Et ici particulièrement, la plupart de ces jeunes-là sont accompagnés pour pouvoir accéder au marché export. C'est pour ça qu'on les met en connexion avec des grands producteurs dans une démarche de contract farming. Et quand ils ont produit, ils sont accompagnés par ces producteurs-là. Et après, ces producteurs récupèrent les ventes. Donc, c'est ce travail particulier qui a été fait dans l'accompagnement de ce jeune. Même pour pouvoir intégrer le marché export, il n'est pas évident pour un producteur d'ananas d'exporter toute la production, parce que quand on passe au calibrage, le marché export peut absorber 50 à 60% des fruits calibrés. Ça fait que le reste de production qu'on peut appeler les écarts de tri sont appelés à intégrer le marché local. Et ce marché local ici peut être récupéré facilement par les autres jeunes qui font dans la production des jus de fruits. Les difficultés que nous rencontrons au quotidien, sont de plusieurs ordres. Ça peut être d'ordre financier, ça peut être d'ordre climatique, comme je l'ai dit tantôt, et ça peut aussi même être d'ordre logistique. Parce que ici, là, les routes ne sont même pas. On n'y a pas de bonne route, il n'y a pas d'accessibilité dans les champs. Donc, ce qui fait que si c'est, c'est que l'ouvrier que vous avez mis au champ doit transporter les rejets ou le fruit du champ sur cette distance, vous savez, c'est pénible. L'ananas est un fruit qui pèse beaucoup. Ayant constaté l'importance de la filière agricole dans l'économie camerounaise, le gouvernement du Cameroun a mis en place des structures relevant du ministère des petites et moyennes entreprises pour accompagner les jeunes Camerounais qui ont décidé de s'aventurer dans ce domaine. Depuis 2012, le ministère des petites et moyennes entreprises, constatant les difficultés que rencontrent les acteurs de l'économie sociale, à savoir les coopératives et les GIC et autres, constatant qu'ils avaient des difficultés en termes de financement de leur projet, a pris sur lui, avec l'appui du gouvernement, de soutenir financièrement ces organisations de l'économie sociale. C'est ainsi donc que depuis 2012, nous accordons des subventions pour permettre aux promoteurs de projets de pouvoir financer, soutenir leur activité et ainsi booster la production nationale, que ce soit dans le domaine agricole, le domaine de l'élevage, le domaine des services, nous intervenons. Je pense qu'à date, nous avons déjà contribué à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA, ce qui est important. Mais je souligne en même temps que le nombre demandeurs de ces appuis-là est très important et d'ailleurs il est croissant d'année en année. Et le ministère s'attelle donc à pouvoir les soutenir sur l'ensemble du territoire. Nous le faisons à travers les communes qui reçoivent des dotations, qui sélectionnent les projets et qui attribuent des subventions. Les raisons qui me motive à continuer dans le domaine, c'est d'abord l'accessibilité au marché. L'accessibilité au marché, parce que ici là, l'ananas se vend bon champ, par exemple. Et nous avons des clients qui nous viennent de la sous-région, du Soudan, de la RCA, du Tchad, de la Guinée, du Gabon, et qui nous prennent nos produits sur place. Et aussi aujourd'hui là, les jeunes sont lancés dans la transformation. Et vous savez que le jus d'ananas, le jus de fruits d'ananas est tellement prisé sur le marché, surtout le jus naturel, le fruit naturel. Et ce qui fait que la demande va toujours croissante. Merci. Je me nomme M. Abengervais Christian, entrepreneur agroalimentaire. Je fais dans la transformation de fruits en jus naturel. Je suis le promoteur de l'entreprise Abengju. Actuellement, je suis en train de produire le pur jus d'ananas. Nous aurons comme ingrédient l'ananas, parce que c'est le pur jus d'ananas, il n'y a aucun additif. Les fruits, on a déjà un partenariat avec des jeunes du pays à Jeunes d'Hawaï qui nous livrent des fruits. C'est vrai qu'il y a des périodes où ils n'ont pas de fruits, on se rabat au marché, mais on n'a pas de difficultés majeures pour des fruits.
L'économie digitale est un monde plein d'opportunités. Malheureusement, plusieurs entreprises camerounaises ont de la peine à s'y intégrer. C'est pour cette raison que nous les accompagnons pour faciliter leur intégration dans l'économie digitale à travers notre plateforme bridgeafrica.com. Wanja Edi, ayant réalisé l'importance d'avoir une identité numérique, a créé un site web pour sa structure qui peut être accédé à l'adresse edianana.bridgeafrica.com. Et l'une des raisons encore qui me motive, qui me gavane davantage à rester dans la filière, c'est le fait que Bridge Africa a créé une plateforme numérique qui permet aux producteurs aujourd'hui là de rester dans son champ et entrer en contact avec des clients, des exportateurs de partout dans le monde entier. Parce qu'effectivement, nos produits sont présentés en ligne, sont publiés sur des plateformes numériques grâce à Bridge Africa, et pour qu'on puisse nous connaître davantage et qu'on puisse gagner des partenariats pour aller de l'avant et booster nos productivités pour atteindre des résultats meilleurs. Pour plus d'informations par rapport à mes produits, par rapport aux conseils, vous allez sur le blog que je vais vous donner tout cela, edianana.bridgeafrica.com. This program has displayed the wealth that lies in agriculture. Don't forget to follow and order from Wanja Demo at bridgeafrica.com, because I know that you love pineapples. Connectivity is productivity.